Magazine, procès Matata Ponyo Oefunga Maki Lelo audience César renvoyé le 8 novembre prochain. Nouveau bureau ya CENI et co-prêté serment liboso ya cour constitutionnelle mardi 26 octobre prochain. Nouvelle coalition et botami entre la Mouka FCC ensemble pour la République pe comité laïque de coordination Bango Balobi Bazali côté mais la politisation à CENI pe nouveau bureau ya CENI ba détail toute une édition émission de l'OK NB News première chaîne d'actualité en continu kasinalinga la édition spéciale au nazen nesengo mingi ya ko présenter les bino. Bote édition lele bandi tika to fungula yango na procès matata ponyo e fungwa makilelo boyebake audience na yango ezali renvoyer le 8 novembre prochain nini esalema ki penza kuna na tonsiata pona ba détail. Audience ya procès Bukanga Lonzo ezala ki suspendu pe renvoyer le 8 novembre prochain pona ko permettre na cour constitutionnelle ko tia interprète moko na disposition ya gérant ya société sud-africaine Africom OYOP et singeli a comparaître pembeni ya Matata Ponyo ancien premier ministre pe lisusu Patrice Kitebi alors ministre délégué na ba finance. Audience ya lundi oyo ezaki présidé na président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kaluba pe dira ki au moins une vingtaine de minutes ba prévenir union so bazala ki sur place ba assistant ki pe na ba avocat na bango. Après identification, il y a deux provenis, Matata Ponyo et Patrice Kitebi. Problème que se posa qui pour la identification, il y a gérant la société Africom Global Christo. Peli sous lecture, il y a ba fait ou ezali na charge na ye. Ba avocat ya Global Christo ba souleva qui exception moko ezali lié na saisine ou esengela qui court à répondre pe court à répondre qui bango alors qui azali saisi. Preveni a s'exprima qui na anglais nde na bongo court azala ki obligé à ko renvoyer à faire au na deux semaines pona ko zwa taya ko luka interprète mo oyo akobanda ko interpréter ba propos nyonso oyo oyo ba juge ba akobanda ko loba tope oyo Global akobanda ko loba pona compréhension ya batu nyonso na présentation ya ba fait oyo ezali retenu contre Matata Ponyo. Procureur général près la cour constitutionnelle a indiqué que na ko créé parc dite pilote monsieur Matata Ponyo a faussé ki nyonso de le départ. Procureur général a accusé Matata Ponyo que a bafoué qui loi en matière de passation des marchés ou ils ont opté pour la procédure il y a marché de gré à gré. La plupart des dépenses sont au Salemaki en procédure d'urgence. Le montant ils ont déboursé ils ont envoyé en Afrique du Sud pour un compte il y a société Africom où ils ont choisi sans respect à la loi à la matière ndenge a akiza ki pe a prometa ki ko démontrer ba feignons au cours il y a procès. Selon enquête il y a IGF, plus de 200 millions ezala ki englouti na vaste projet oyo ya Bukanga Lonzo. Parquet général près la cour constitutionnelle ayoka ki ancien premier ministre à plusieurs reprises sur ba fait ya détournement ya ba denier public cadre ya indemnisation ya ba victime ya zaïrianisation na 2013. Pona oyo etali affaire ya projet Bukanga Lonzo, Matata Ponyo a boya ki ko comparaître. Alors ki ba poursuite ezala ki autorité na bureau ya Sénat concernant dossier yango. Mais lelo ezali bongo likambo ya affaire Bukanga Lonzo nde azali jugé. Donc dossier ezali à suivre rendez-vous ezali bongo pendant le 8 novembre prochain de toyer ba ngé ni procès oyo eko se dérouler. Kinshasa et qui partout. Tolobiango le bandeli ke nouveau bureau ya CENI ko prêté serment le 26 octobre prochain, c'est-à-dire mardi, na cour constitutionnelle yango ko sale mabongo pour que équipe Kadima eko tana mosala pe processus électoral et avancer ba détail na image fait commentaire. Nouveau bureau ya Commission électorale nationale indépendante CENI na Mukuse ko prêté serment mardi 26 octobre 2021. Liboso ya cour constitutionnelle, liango ezali nouveau président ya centrale électorale de la République démocratique du Congo, M. Denis Kadima, nde apese ki annonce yango via compte Twitter na ye. Nouveau bureau ya CENI investi par le président de la République P. Ekoza en honneur ya ko prêté serment mardi 26 octobre. Liboso ya cour constitutionnelle, to rappelle que nouveau bureau ya CENI
Ezalaki investi vendredi 26 octobre dernier par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ordonnance etangamaki na Radio Télévision Nationale na porte-parole adjointe ya chef de l'État, Madame Tina Salama, bureau ya centrale électorale, ezali présidé na Monsieur Denis Kadi Makazadi P. Azali na 11 coéquipiers jusque là. Yé Azali secondé par Monsieur Bienvenu Ilinga. Poste et rapporteur Azali occupé par Madame Patricia Seyaï de Pes. P. Liste Azali Moulaï. Po Azali jusque là na 11 coéquipiers. Et le mot Bagosala Moussala. Na place ya 15 membres. Nouveau bureau ya Seni peut plenir nango. Bazali na nouka kana 12 membres. A venir de Koeb Sabiso. Ce qui les 3 wana bako baki samalo. Lenye kani. P. Bako utawa pik. Kasi pona siko, toka ngapeto bombake, nouveau bureau ya Seni, eko prete serment liboso ya Cour constitutionnelle mokolo ya mardi 26 octobre 2021. Pendant ce temps, nangambo ya opposition pe quelques membres ya ensemble de la République, ba sangani pona koloba non na bureau ya Seni ezali politisé. Entre prestation à serment, na lisanga ya ba force vive oyo, to retenir ni avenir nde koyibisa biso. Lolenge kani, climat politique ezali kotambo na mboka na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Rassemblement de force pour lutter contre Seni ou ezali politisé. Bande kwa lamuka FCC ensemble pour la République pe comité laïque de coordination basangani na lisanga moko pour na kotele mela Seni ou ezali politisé ne balobaki yango na communiqué ou ezali publié mokolo ya dimanche 24 octobre. Si ma investiture, il y a équipe centrale électorale dirigée na Monsieur Denis Kadi Malokola président, ba force politique sociale notamment Front commun pour le Congo, il y a président honoraire Joseph Kabila, engagement pour la citoyenneté et le développement est cédé à Martin Fayulu, nouvel élan et Adolphe Mouzi Toupé ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi et Longo na comité laïque de coordination CLC na Mokuse, ba décidé ko sangana pe ko sangisa ba force na bango pour obtenir consensus sur Seni pe loi électorale pour na consacre à l'élection et cause à la crédible, libre, transparente, apaisée et inclusive. Bango, ba mi monique, ba zaraki na ba revendication moko, ba décidé enfin, ya ko sangisa ba force, pour na koye ba ndenge nini makambo ma pona meko salema. Na déclaration moko commune, o zaraki rendu public dimanche 24 octobre 2021, bango ba estimé que consensus, zali seule voie, ya confiance entre ba partie prenante, la scrutin. Face à la volonté administrative, il y a le régime, il y a le chef de l'État, il y a qu'on soit payé en otage, il y a un dernier baboui, qu'on soit la côte saignée à l'indépendance. Il y a un intérêt supérieur, il y a un beau cas, pour la Kosovo, il y a acquis démocratique, malgré la différence, il y a décidé, il y a qu'on signer en force, pour la obtenir un moyen légaux, il y a adoption consensuelle, il y a loi organique, il y a sur la CENI. Pe loi électorale ya malonga pour nous organiser ba élection crédible, libre, transparente, pe apaisé conformément à la constitution. Ndenge ezali kotanga ma clairement na document ezali signé par Marie-Ange Mouchebe kwa FCC de Vos Kitoko et Sidé Blanchard Mungomba nouvel élan pe Papimbaki ensemble pour la République. Ba force politique pe sociale o ba annoncé ba grandes actions citoyennes à travers étendue mobimba ya mboka na biso pona ko senga Seni ezali dépolitisé, indépendante et non instrumentalisée na tina ete tozo ba élection il y a malonga la 2023 bango ba kize pouvoir na ko s'imposer pe ko sa la forcing ya ko mettre en place c'est ni moko ko sa la sous ordre na bango pe ezali violation makasi na constitution pe li sous ba règle parlementaire ezali bafoué face ya réalité yango bango ba bengi peuple congolais se lever pour na ko faire échec na corporation ya centrale électorale o ezali ki pe entériner la chef de l'État l'intérêt à ordonnance présidentielle ezali ki signé Mikolo Eleki entériné par l'Assemblée nationale nouvelle équipe ya Seni chapeautée par monsieur Denis Kadima pe ba on ba ko prêter serment mardi 26 octobre ya lobby na cour constitutionnelle kasi ba force vive oyo ba lobby bango ba telemi ba ko tika esale maboete po bazali komona déjà tricherie na mapona mezali koya soki lobby ezalaki kaka lamuka sur terrain lelo FCC a rejoindre YP ensemble pour la République o ezali nanu na kati ya nyon sacré ba lobby te bango pe ba telemeli likambo yango ezali intérêt ya peuple to intérêt ba politiciens to yebite kasi balaki ba grandes actions
En tout cas, à venir ndeko ebisa biso qui vivra verra. Kinshasa et l'équipe partout. Population batika la kekimia te sima ya rapprochement politique au bamba moni mokole ya dimanche entre bandeko FCC la moko ensemble pour la République pe comité laïque de coordination nini ezali ko salema pe nini ko ya lobby boka nenge population ba lobby ana micro ya Peggy Ilunga. Bon, en tout cas, vraiment, pour nous, dans ce monde, on peut dire que ce n'est pas du tout normal. Kosangana ya Bango, Kosangana ya FCC, la Mouka, ensemble pour le changement dans la communauté, c'est-à-dire communauté laïque et catholique. Vraiment, ils allaient penser bien. Ceux qui sont pour combattre le bureau, le président de la République, investir, bon, ils ont été dans la Bango, ils allaient nier. Pour que les gens aient un glissement ou tout ça l'élection en 2023. C'est ce qui est très important. Le seul souci, en tout cas, glissement, c'est bon. Glissement, c'est un peu demandé. Alors, il y a vraiment un avantage à peuple congolais ou bien il y a un désavantage. Je ne sais pas si vous avez un avantage peuple congolais parce que tout ça, il y a un peu de temps à l'autre, il y a une époque où il y a une époque où Kabila comme président de la République. Il y a eu beaucoup de glissements. La transition, plusieurs fois, tout cas, il y a eu un peu de mon côté. Alors, ceux qui ont été élus en 2023, où est le mal? Même si vous avez un peu de temps à l'autre, autant plus que Batika, tout est en train de l'élection en 2023. Vraiment écosale c'est parce que pour ceux qui élection Salimi en 2023, c'est-à-dire que tu respectes le cycle normal. Normalement, les alliés politiques, la politique est dynamique. Ceux qui ne co président élu Maté Fallou Madidi à Sangani na bato na bon. Quelque part, ils ont intérêt na bango hein, bako ki ko bunda ko bundisa Félix, mais on t'aime ya Félix. Félix ya za na confiance na alliance té. Ya on ne faut pas bundisa eh. Pour tout ça, il y a une alliance. Est-ce que c'est bango? Bon, ceux qui ont une union, ils ont bloqué pour pas bounsaye. Moi, je trouve que ce sont ces opinions. Hein, bah, ça, là. Mais pour la Kadima, tu le bagage au Kadima. Quand on a une biographie à Kadima, à la Moutouanine. Même village, il y a Félix. Est-ce que Moutouana est indépendant par rapport à Félix? Non, je n'ai pas. Na sepeli nango. Surtout l'église catholique, na sepeli na pui na bango. Baza ba congolais. Ceux qui ont mon avis, c'est Gérard qui m'a dit. Ils ont raison. La raison de le président Eli Maté Fayulu m'a dit. Où est le problème? Bon, tango bango yé Félix a bandé au fin de FCC. On m'a traité bango de tout le monde. Parce que l'alliance n'a pas été. Mais pas ceux qui ont bango bazaki ba diable. Pas ni ceux qui ont alliance n'a bango. En 2018. Hein? Mais les ceux qui Maté Fayulu a fait l'alliance n'a FCC n'est Maté a bimi diable. Et c'est ça, diable, tu es un Congolais. Ceux qui sont en alliance, où est le problème? Bimba Bango balanda miel. Bimba Moïse balanda miel. Moïse, comme il y a quelqu'un, intérêt n'a pas été. Parce qu'il y a un vice-président, il y a CENI. Il s'est retiré. Il n'y a pas de problème, il y a un intérêt politique. Toujours défendre la couleur à Congo. Toujours défendre la loi à Congo. Les autres Baba Congolais, vous comprenez, ils ont aussi leurs droits. De dire ce qu'ils pensent pour le Congo. Disons que Congolais, nous avons aussi le droit de dire ce que nous voyons pour le Congo. Qu'est-ce que moi je veux dire par là? Ngai na sepeli d'abord na terriniment. Parce que le chef de l'État a trouvé bon yakotia mona mboka kadima et déranger nani. C'est-à-dire yo sur yo au monde yango et déranger yo. On a le droit au loba. Mais disons que Congolais te lobi que oui pour soutenir l'ikanisia mokonda mboka et a jolie idée. Donc pour ngai vraiment na sepeli. Mais je suis content, c'est leur avis. Je suis Martin, ce qui est vrai, au moniteur, je rappelle ma grand-mère, je suis un peu. La politique, d'abord, c'est un monde des intérêts. Bien, tu as dit que 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 Il faut comprendre que c'est un monde d'intérêt. Mais l'Ituana, il ne faut pas bondander ce qui est vrai. Il ne faut pas bagarrer parce que ce n'est pas facile. Même l'opposition, il y a une facilité. Il ne faut pas considérer, il ne faut pas yoka, il faut mériter. Voir même l'opposition, il y a une facilité. Donc,
pema. Lita sole salama yango to moni le magambezo magambo chaja na mboko eta detwe koma to mona ba intouchable ba moko kanga bango to mona magambo ezalaka te yango wana to bengi yango changement. Lita ni ba osala. Lito ba oluka e ute ya lola ba angelo ba bima. Je pense pas mais lita solo ezage Congo lelo to senti changement muke muke. To bana mikete mais nous savons que côté de Houthi y a qui m'ont passé mais côté de Zokendi avec le temps tu peux atteindre ça. Tout qui est la démocratique du Congo wapi attaque ko ya ba rebelle Adolf et Sali sept morts na village Bolongo kuna na Beni ezala kindenge nini na ton siata pe sur détail. Cette personne est sous babumi bango na butu ya samedi 23 octobre 2021 na Bolongo commune située na axe routier Beni Kasindi na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Inième tuerie Oyo ezali bongo attribué na ba rebelle ADF Oyo basala ki incursion na parti wana ya République démocratique du Congo. D'après chef ya localité Kilia, Oyo a confirmé information yango na presse locale a lebete bilan ezali na provisoire. Willy Malikidogo abakisike ennemi a attaqué ki ba civil avant ya kopiller plusieurs biens na kati ya région. Ezali ki na Tongo, ezali commune Oyo ezali endeuillé après passage ya ennemi na soirée ya samedi. Pour le moment bilan ezali na provisoire po ezali na 7 morts Oyo bakufi na quartier Gala ndenge a confié ki na presse. Nouvelle société civile ya secteur précité a renseigné peke ba sayan Oyo ba pia ki ba bien ya ba valeur et belé lors ya incursion na bango. Ezali grave. À part que bon, ma civil wana ennemi a pillé qui paye sous ma boutique, mais les sous ba kisi ndenge aloba ki mele ki moulala président na yango. Tuerie Oyo intervenir quelques heures après Oyo et Salima ki na région na Boutou ya vendredi kotan la tongo ya samedi 23 octobre 2021 Oyo sala ki 4 morts. Ba activité siko Oyo ezali ko tourner au ralenti. Kobanda dimanche timo ko lelo lundi na Bolongo après tuerie yango Oyo et occasionné déplacement pour les sous ya babita vers ba milieu où ils allaient supposer sécuriser Kinshasa et l'équipe partout. To yango bianco pona mwana yo azana biloko ya kitoko pe ane scolaire ile kamalamu sombela ye ba produit ya Beltesco kaye ya ope stylo simbe zote kama partout kasi vérifier que za original na komona logo ya Beltesco. Toujours dans souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka nenge boye beli société oyo monene na République de moitié du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magazin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba komini nyonso soko tuli magazin ya Beltesco ezali po osombe la bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba kaye yao ba stylo simba pe ba kaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba kaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko po na bana na yo ane scolaire oyo baza la lèse qui mambango na ba boutique ya Beltesco au kozala de city. Tozo na bakaya 100 feuilles quadrilignées, tozo na bakaya 48 feuilles quadrilignées, tozo na bakaya 24 feuilles quadrilignées, tozo pe na bakaya 12 feuilles quadrilignées. Ko bosana te, tozo li pe na ba stylo Simba ezoko ya ezokoma, tozo na ba stylo Simba ya bleu, tozo na ba stylo Simba ya rouge, tozo pe na ba stylo Simba ya noir. Tozo ali susu na surprise susu mbula auto bakisi, tozo na bakaya cartonné ya ba jeux ki toko o bana balingaka. Ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oto lobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Le lomo ki lezo célébrer journée mondiale de pâtes ezalinini tolia kango mikolo nyonso ba spaghetti ba macaroni importance na yango na santé ya moto ezanini jo image fait commentaire. Bonjour à tous et bien. Le 25 octobre, il y a chaque année, moi qui le célèbre comme Journée mondiale de pâtes. Journée où il y a mon collègue, et j'allais présenter l'intérêt humain de ma casse mingité,
kasi ezali ko faire plaisir na ba gourmand yango ezala célébrer août 1995 na initiative internationale past organisation yango ezali ko permettre ya bato ba prendre ba pâte alimentaire oyo ezali ba aliments consommés na monde entier et ezali présent na ba différentes cuisines na biso chaque jour tolinga kolia ba pâte. Ba pâte euti wapi na origine yango tradition ba pâte ezali ko remonter na ba chinois wapi bango bandaki ko ramener na Europe plus précisément na 13e siècle ba bandaki ko ramener ba pâte de l'Europe en Asie wapi bango bandaki ko lia yango à tout moment pourtant ba recherche récente ezali ko permettre ko retrouver ba trace ya ba pâte na Mésopotamie ou ta tango eleki awa total il y a quelques différents noms et pâtes peut-être que yo pelenda koyebi pe ko bakisa tozali bongo na macaroni tortellini spaghetti coquelette ravioli pe bongo na bongo ba pâtes ezali ndenge ebele yango elia makana biloko pe ezali na ba vitamine ya ndenge na ndenge kasi keba ezalaka kilo mingi yango esengeli kolia ma mingi te kasi okoki kolia yango mpona kose détendre mokie kasi kolia mingi mingi te po pate ezalaka mwa kilo soki bleu oyo ezalaka tendre pe braye babengaka yango farine bleu dur braye babengaka yango semoule kasi mélange na mai semoule petri ti ekomaka pate pe pate yango ezalaka homogène ezalaka bongo kitoko makasi na kolia kasi keba ezalaka mwa kilo donc lukelaka yango mwa eloko moko ya léger likolo po olia yango vérité ezali que kolia ba pâte e komisaka monene te mais quand même salaka attention consommer yango na cadre alimentaire sain équilibré pâte e esaka monene te kasi au contraire e contribuaka na perte ya poids ndenge ba étude moko canadienne e révélaka récemment yango ezali na sucre pe sucre na yango ezalaka lent ya kozala digéré selon ba recherche toujours ezali malamu mingi mpona bana kasi ke bana ba excès lokola excès ya sauce excès à crème fraîche, topé, fromage râpé, keba na yango, lia pâte, kasizala mwa e kenge, nandenge ozole na yango pe quantité nini ozole yango po, ezalaka bien, kasizalaka mwa lourd, pe yango ezalaka na sucre ebele, ezalaka mwa pas bien digéré. Yango ko ko sala ke moto tombe malade to ki ali yango mingi. Boye ba ke pâte ezali na ba graisse mokie, kasizali na sucre ebele, donc awa, tozali kobanga monene te tokoyi kobanga ba maladie mosusu ekoyi koya na nzela ya sucre lia yango kasi lia yango na bokebi nyonso po exe nyonso ememaka mabe Kinshasa eleki partout. Toujours imité mais jamais égalé KNB News première chaîne d'actualité topé sa cabine toujours d'information vraie et vérifiable. Awa to proposer bino émission kindoki politique za déjà en ligne na chaîne YouTube na biso ko bosana te ko visiter pe ko s'abonner. Ba santu ba sangani na ndoki. Oh ndoki yena. Oh. Yo bino kide. Ndoki kabila te. Ba santu ba sangani na ndoki. Mendelini mo santu akosaka na ndoki. Te poza makasi ufu banga bango ya po bazala ngamba. Te nazo tuma te ozobu ya deke li ka ubuku ya malabu ndoki na mo santu. Bakuva na ndeni. Moi. Na butu. Basanga na. Donc yo zo mona ke fon. Elo ki zate. Ezate. 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 Na moni église catholique. Na mission. Ba ye kusanga na ndoki Kabila. Fayulu. Fayulu mafa. Aye kusanga na Kabila. Moi je m'en moque. Na zo sec. Et Moïse Katumbi na no formellement adhéré te. Soko aye kusanga na Kabila. Kabila motabenga na ki na en exil. Ils vont vivre na méfiance. Mais pour ce que bazo linga bazo lo moko bakoko kate bakoko kate pour ce ngamu bango bake bisonde tous une experience one bakoko kate pour ce bakoko la mais Kabila sikoyo yende le vrai opposant
Joseph Kabila, na FCC ndé la vraie opposition, puisque Tolongoli bango na pouvoir. Des degrés ou de force, Tolongoli Kabila na batunaye, ba Chadari na batunaye na pouvoir. Hein? Ba toyo tobundi na bango bitumba. Ba sengeleki tozala bango ngambo moko. Po bango ezala ba sango cardinal. Après investiture président, un mois après Baloba Kinini, bisso tous a problème na Tshisekedi, tous a problème na Kabila. Il faut Félix à Kabouana Kabila. Cardinal na États-Unis à l'Obindengwa. Et après, à la fin des comptes, Tango, Tokabouani na FC, Tobongye FCC cache. De créer président Abengi Bango na Union Sacrée. Ils avaient applaudi. Balbi, oui, Sika, Makambo, Eleki, Ndoki, Alongui. Mais Bango Ndoki, Alongui, Baladi Ndoki. Bango ça n'a rien le connu. Centre évangélique, temps de Dieu va organiser 12 jours de prière et de délivrance de copapa, de comama, causant à te pour la bola mounayo. Mwana nzambe yote loko yo, ministère évangélique temps dédié va organiser 12 jours de combat et de délivrance na occasion ya 6e anniversaire oyo ya église na bango eko banda du 19 octobre pe eko souka na dédicace ya temple oyo eko salema le 31 octobre 2021 église oyo ezali ko kumba mana visionnaire na yango Pasteur Ilunga de Paul Pe et Zouami na quartier GB Are Sosimat na avenue Seya numéro 28 bis juste kaka na sima ya camp américain barrière 17 Boya koyoka mateya ya kafu kafu na teb oyo je suis le Dieu de ton père d'Abraham d'Isaac et de Jacob mwana nzambe yoka boya e belé po ba orateur misusu ba wuti na bamboka ya ndenge na ndenge surtout na mikili ya bapaya ba kozala wana pona kokabula maloba ya nzambe pe ko pesa bino mayele ndenge nini bokoiko bima na boumbu ya satana louange pe adoration e kozala wana avec ba chantre ya minene ya mboka na biso pona kokumisa nzambe na système kaka ya makinu ma davidi stage oyo toko sala partie ya Kinshasa nanu awa na Congo avato kende lola yo mutu ozana mikumba yaka yaka kosundola yango epai ya nzambe ya Ilunga de Paul okoza solution na 12 jours de prière ya ba combat pe ya ba délivrance oyo ezali organiser la ministère évangélique ton de Dieu na quartier GB nzambe baluka kaye secret ya kobonga na vie secret ya lola et fandide na monoko ya pasteur Ilunga de Paul oyo azali ko sala nzambe na ndenge ya solo solo oto lobaki te tolobi occasion a ne pas manquer yango yo Kinshasa elle est partout. To succédition à l'ONA Sport na cadre ya championnat national Lupopo a s'imposer na score ya 2-0 face équipe ya Bazano na tousiata pour na détail. Déjà vainqueur, il y a 2-1 en match aller en déplacement à Rwanda. Darin Club Motema Pembe a réussi à se qualifier, na ko s'imposer face na AS Kigali sur même score kaka ya 2-1. Mokolo lobi dimanche 24 octobre 2021 na stade Marti awa na Kinshasa. Ezala ki bongo grâce na Babia Katulondi na 24e minute pe Karim Kimvudi na 46e minute ke club ya Kinshasa oyo aleki na étape ya 16e de finale ya Coupe ya Confédération ya CAF. DSMP alongwe na tour ya ba match ya ba barrage pe akeyi na 16e de finale. Ezali ko opposer ba club éliminé na 16e de finale ya Ligue des Champions pe na ba qualifié ya Confédération. Ba vert et blanc ya Kinshasa et Sengeli Bazela tirage au sort oyo eko salema mardi 6 octobre o ezali koya pona koyeba adversaire na bango tirage au sort yango eko concerné bongo pe lisusu Mazembe pe Maniema Union deux représentants ya République démocratique du Congo na compétition oyo bazala ki éliminé na Ligue des Champions ya CAF kasi Sengeli koyeba peke lina foot côté na ye pe bazali toujours
kobeta ba match kaka ndenge za ki prévu na calendrier na bango. Football Club Saint-Éloi Lupopo a gagné qui jeunesse sportive groupe Bazano na score ya 2-0 na match ya poursuite ya 27e Ligue nationale de football Lina Foot Ligue 1 et betama ki peka ka mokole dimanche 24 octobre 2021 rencontre yango et betama ki na stade ki passe à Maliba ya commune ya Kenya na Lubumbashi na Okatanga ezaki bongo na 33e minute ya jeune héritier Kasongo a offrir passe moko décisif na attaquant Ciel et Bengo pour na kufungo la score en faveur ya Lupopo. Après mi-temps, Ciel et Bengo aiko souffrir le double moussou pour nous permettre na Lupopo a emporté match yango 2-0 des alaki score final au et sanctionné qui fin ya match oyo entre deux équipes ya Lubumbashi na classement ya Lina Foot League 1 et c'est que baki FC Saint-Éloi Lupopo ça dit qu'on compte désormais 13 points sur 5 matchs au ici à Betty déjà contre 7 points ya groupe Bazano sur 4 rencontres oyo et si à Betty déjà Kinshasa et l'équipe partout. Et ça, l'édition est le 25 octobre. On a zéki ne s'en gomingi à co-présenter les binômes. Merci. Nabino Moulena qui sont partout dans le monde. Édition est le zoa qui participation. Il y a Papa Timothée KMB, OSIMBA qui régit, P. Caméra, réalisation avec Anaton Siata. Édition est toujours coordonnée. Naïmoko, lion de la communication, Dimouketima. Nabino. Donc, on très prochainement, on a souci mon quoi à servir au bino. Toujours, on est au sein de la bino Moussala d'une manière très, très professionnelle. Bye. Magazine, réalité, abana, qui, réalité, abana, qui, no.